ça va hyper bien. Et aujourd'hui, on va faire le room tour de ma chambre. Donc, vous voulez la voir? Bah alors, c'est parti! Ça fait vraiment des mois et des mois qu'on vous attendait cette vidéo. Donc, ça nous fait vraiment plaisir de vous la tourner. Alors, vous êtes prêts? Go! Voilà, on est dans ma chambre. Avant de commencer la vidéo, je voulais vraiment remercier ma tata Orinda pour m'avoir mis tout mon papier peint parce qu'on a passé vraiment des heures et des heures à le faire. Donc je te remercie vraiment beaucoup, je t'aime. Maman, vous voulez dire quelque chose avant de commencer la vidéo? Alors oui, voilà, si on vous fait cette vidéo, c'est parce que vous avez vraiment été nombreux à nous la demander. Oui. Mais c'est en aucun cas pour se vanter de ce qu'on a, quoi, on va dire. Voilà. Tous mes abonnés ont demandé cette vidéo. C'est vrai. Donc du coup, voilà, on vous la tourne enfin. Voilà, et je vais vous présenter les articles que j'ai. Et je ne sais pas si je vais vous dire les magasins que j'ai. Bah moi, je sais où c'était. Donc si tu veux, je pourrais dire le nom des magasins. Ouais, ou si je me rappelle, je pourrais le dire. Voilà. Bah du coup, on commence par où? Par le commencement. Voilà, par derrière la porte. Donc j'ai pris un... porte-manteau de chez... Alors celui-ci on l'a eu à la foire fouille. Ah oui, la foire fouille, donc c'est écrit « Je suis une princesse ». Donc attendez, on va retirer le manteau pour bien vous montrer. Voilà, avec une licorne, des étoiles. Voilà, et ça je l'avais trouvé trop trop beau. Et dans une vidéo je crois de Mila Baby Chou, j'ai vu que la petite Mila elle avait le même. Oui, et même son petit frère il en a un, mais c'est pas encore... Oui, c'est pas encore pareil. Oui, alors il y a le Maves Bigumi, où il y a la manche qui est à l'envers. Donc ça, doudoune réversible Bigumi. Mon sac de sport. Oui. Ma sacoche que Maëlle me pique. Tout le temps, c'est vrai. Ouais, tout le temps. Et comme ça, oh, tu touches pas. Ma veste de sport. Voilà. Et d'ailleurs, on a encore un code promo pour vous, Bigumi. Donc, c'est Lunagum. On vous le met juste ici. Et ça vous donne à moins 20% sur votre commande. Exactement. Bravo, Luna. Je commence à bien mémoriser. Voilà. Ensuite, il y a ma valise mini trop trop belle. Donc, c'est écrit Mini Mouse. Ouais. Mini. Ensuite, on passe au coin bibliothèque. Donc, j'ai rajouté une étagère puisqu'il n'y avait pas assez de place dans ma chambre pour mettre des autres choses. Alors là, il y a ma bibliothèque, donc mon premier coin bibliothèque, avec un marque-page de l'école que j'avais eu, donc c'est moi. Voilà. Et donc, à chaque fois que je lis un livre, ben, je mets le marque-page. Voilà. Et là, j'ai tout. Je commence à avoir une belle collection de roses. De la bibliothèque rose, oui. D'ailleurs, t'as lesquelles? Alors, je vais vous... Là, j'ai un petit truc. Voilà. J'ai mis comme ça pour revoir rose, là. Alors, j'ai le monde de Ralph 2.0, donc c'est le nouveau. J'ai ma vie, mes copines, vive la rentrée. C'est un peu comme celui-là. J'ai le parc des merveilles, vice-versa, et la belle et la bête. C'est le plus gros... C'est la version film, oui, pas la version dessin animé. Oui, c'est la version film. De toute façon, ça se voit sur l'image. Ensuite, j'ai toute ma collection de Max et Lily, puisque j'adore ça, parce que c'est petit à lire. Et je crois que tu avais découvert ça à l'école, non? Ouais, j'ai adoré. J'ai dit à maman, oh, je veux faire une collection, maman. Et il y a un copain à l'école qui me l'a donné, celui-là. Parce qu'il ne lisait pas. Alors, j'ai Lily, chagrin d'amour. Max et Lily décident de mieux manger. Lily n'aime que les frites. La copine de Lily n'a pas de papa et on l'a eu dans une vidéo. Si je trouve, j'achète. Oui, ça devait être ça. On vous met le lien dans le petit. Et Alex est handicapé. Donc je les adore ces livres. Ensuite, donc j'ai Vive le CE2, Les secrets de la récré que j'avais eu dans Manger Rouge, je crois. Donc j'ai tout lu, c'était vraiment très très bien. Je vous les conseille, donc je veux le 2 mois. Et l'année prochaine, on achètera Vive le CM1. Parce qu'il y a Vive le CM1 aussi. J'ai la période gélatine, donc il est un peu... Oui, les petits frères l'ont un petit peu abîmé. Mais c'est pas grave. Donc en fait, là, c'est moi. Avec, donc on l'a personnalisé. Donc c'est sur... le site de Muma Blues, voilà. www.mumablues.com. D'ailleurs, vous pouvez trouver le lien direct en barre d'infos. Ah. Donc c'est une histoire personnalisée, hein, comme on vous l'avait montré déjà.
Et là, il y a écrit dans un lointain futur où il y avait une petite fille qui s'appelait Luna. Elle était très curieuse, adorait apprendre des nouvelles choses et posait toujours des questions. Lorsqu'elle ne comprenait pas quelque chose, ce qui l'a passionnée le plus était le cosmos et l'espace. Voilà. Donc, voilà, ce sont des histoires personnalisées. Il en existe plusieurs, donc franchement, n'hésitez pas à aller sur le site. C'est toujours. Puis ça fait un beau petit cadeau, je trouve, pour un anniversaire ou pour offrir. Ensuite, j'ai en haut encore, donc là, j'ai un petit signe. C'est moi qui te l'avais fabriqué. Oui, et en fait, on l'a collé là. Non, je ne l'ai même pas collé. Il n'est pas collé, il est juste posé en fait. Okay. Voilà. C'est un petit signe que j'avais acheté chez Action et que j'ai décidé de décorer moi-même. J'avais même 4 ans. Ouais, t'étais toute petite. Hein. Ça fait longtemps, ouais. C'est normal qu'il y a un peu de. Il est un peu sale. Ouais, c'est parce que Luna était petite, elle y a touché. Donc elle a mis du rose, du blanc et tout. Elle a juste fait ça et en fait, c'est elle qui a fait ici, là, 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 là. Eh oui. Ensuite, là, j'ai tous mes livres Martin, parce qu'en fait, c'est une copine de l'école qui m'a fait découvrir ça l'année dernière. Et depuis... Non, il y a 2 ans déjà. Oh ouais. C'était il y a 2 ans déjà. J'avais 6 ans et je fêtais mes 7 ans. Voilà. Ou dans, tu allais... Ouais, je... Oh, peut-être, soit les 7 ans, soit les 8 ans, je sais plus. Je crois les 8 ans, oui, c'est les 8 ans. Je sais plus. C'est les 8 ans. C'était l'année dernière. Et quand Luna a eu la collection, bah, elle était super contente. Elle m'en a offert 2. Voilà. Et je t'avais dit quoi quand t'as eu la collection? C'est les livres Martine que je lisais quand j'étais petite. Donc j'ai Martine la leçon de dessin, Martine à l'hôpital, Martine et les chatons, Martine fête son anniversaire, je crois que c'était ma copine qui l'avait offert à mon anniversaire, et Martine son anniversaire aussi, Martine petit rat de l'opéra, donc c'est ça, mais sauf qu'il n'y a pas de numéro. Ouais, et il n'y a pas un CD dans celui-là? Non, ah non, c'est pas dans, c'est dans un autre, voilà. Je me suis trompée. On peut toujours se tromper. Là, j'ai une petite fiole. Ah oui. Licorne. Ensuite, j'ai ma collection de BD. Donc, j'en ai vraiment plein. Là, j'ai l'Étidium Top tome 1. À quelle planète tu viens? De quelle planète tu viens? Lou, journal intime. Les Sisters 3, c'est elle qui a commencé. Celle-là, je l'avais eue à mon anniversaire. Les Sisters 2 à la mode chez nous. Donc ça se voit que c'est pas la mode. Et oui, je les voulais depuis longtemps, je l'attendais. Lui, c'est le premier. Parce qu'avant, je regardais tout le temps à la télé. Et du coup, tu as décidé de me jeter le premier. Les Sisters 1, un air de famille. Voilà pour ça. La troisième étagère, c'est tout ce qui compose Harry Potter, mais après j'en ai encore là-bas. Donc je vais vous montrer parce que du coup Luna est un peu petite. Alors là, il y a Harry Potter comme ça. Voilà, sauf qu'il manque des lettres qu'on a perdues. Il y a le truc que j'ai à mon anniversaire, il y a donc, tous c'est les le coffret DVD d'Harry Potter. Donc il y a le 1 au deuxième set. Enfin, il y a tous, toute la série. Voilà, j'ai le Harry Potter en peluche. La peluche là d'ailleurs, tu l'as lu dans le swap de Kiara. Oui. Donc d'ailleurs, on vous mettra sa chaîne en barre d'infos, Mali est déjà, et dans le petit. Voilà. Donc la vidéo du soir qu'on avait fait avec elle. Et là, c'est la collection. Alors, je vais vous enlever c'est ça. C'est les deux livres Harry voilà. Potter. Donc Luna, elle a le premier à l'école des sorciers. Et elle a le dernier, en fait, le tout dernier Harry Potter et l'enfant maudit. Aussi un petit porte-clé, hop, de Ron qu'elle avait eu bah, dans le swap de Kiara. Oui. Et cette petite peluche, tu l'avais eu à Claire's. Dans Maxi Toy, il y avait des trucs de Claire's. Ah oui, c'était coup, dans une vidéo si je touche, j'achète ou tu trouves, non, quelque chose comme ça. Oui. Ça devait être ça. Ou je prends tout ce que je veux, je sais pas. Ouais, je sais plus. On va passer à côté. Alors, voici mon armoire. Donc, il y a des petits mots, donc ils sont très très beaux. Alors, déjà, il y a des cœurs, donc là, ils sont dorés, là-haut, ils sont roses pailletés, je crois. Je ne sais plus. Donc je vais vous lire le mot. J'aime le rose, les paillettes, les robes et les chaussures de maman. Avec 3 petits points de suspension. Et donc je vais vous montrer ce qu'il y a là. J'ai cassé tout. Alors on va commencer par en haut. Donc c'est tout ce qui est code, jeux de société, des baguettes, des petits jeux en fait. Pour que je joue. Et... Ensuite là il y a mon dressing, donc là il y a tout ce qui est, là il y a déjà un manteau avec mon déguisement qui est juste là de sorcière. Et là il y a ma pom-pom girl
qui est vraiment affreuse. Ta pom-pom girl zombie. Ouais, que j'avais l'année dernière. Même on a fait un film. En fait, là, c'est un peu ce qui est déguisement. Ensuite, là, il y a ma robe. Elle est trop jolie. Et après, c'est tout ce qui est t-shirt, maillot, pull, veste, pyjama et les combis. Il y a les manteaux, bah, tout ce qui est Bigumi. Hein. On vous remet le code Bigumi juste là. Pour la deuxième fois de la vidéo. Ensuite, là, il y a encore un truc Bigumi, donc il y a le sac. Et il y a, là, c'est le papier peint. On va pas vous le montrer parce que c'est dans la chambre. Voilà. Voilà, donc ici, c'est vraiment du bazar, en bas. On va refermer. Donc ici aussi, il y a encore un gros sticker. Donc c'est écrit, quand je serai grande, je serai une princesse avec des étoiles. Donc, il y a ça dedans. Donc il y a tout ce qui est truc jean, en fait. Là, c'est vêtements de sport, voilà. Shorts, jean. Enfin, les vêtements. Voilà, les t-shirts et tout. Tout plein de choses pour ma vie. Vous avez aussi au meuble, donc voilà le grand meuble, donc il n'a pas changé de place, on va dire de la dernière fois. Je sais même pas s'il y était dans la première vidéo. Non, il n'y est pas. Celui-ci, je ne crois pas, voilà comment qu'il est. Mais après, en fait, on voulait faire un room tour, mais en fait, on n'avait pas tout ce qu'il fallait. On n'avait pas, voilà, pas fini la décoration. Voilà, donc il y a, on va faire case par case. Comme tu veux. On va commencer par le bas, première case. Ok. Premier panier qu'on a eu à Ikea, je crois. Oui, les paniers viennent d'Ikea. Ah, c'est lourd. Donc là, pour l'instant, il y a du bazar dans un petit panier blanc. On met ça à côté. Et après, il y a tout plein de livres que ma mamie m'a offert, m'a donné parce que c'était ceux-là de ma maman. Elle me les a donnés. Donc c'est tous les livres encyclopédie. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Bah, sors-en qu'un au pire. Hein. Non, je vais sortir tout parce qu'il y a plusieurs thèmes. Alors j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow. En fait j'en ai 8. Alors je vais vous montrer tout cela que j'ai. Vous allez vous dire, oh mais c'est les mêmes. Mais en fait non, en fait là il y a encyclopédie. Et là il y a les trucs. Là c'est les plantes. Donc on peut savoir tout sur les plantes. Ensuite l'univers. Donc c'est tout ce qui est planète, des trucs comme ça. Ensuite il y a les machines. Donc comment fonctionnent les machines, voilà. Ensuite, les continents et les peuples. Ensuite, il y a mon corps. Ensuite, il y a la Terre. Donc, je sais pas, la Terre, la planète ou voilà, un truc comme ça. Je pense, on peut savoir tout sur les animaux. Et la dernière, la mer. Donc, il y a plusieurs mers. Donc, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Donc, il y a tout ça. Et on vous explique des petits mots, en fait, il y a des petits textes. Voilà, là, il vous explique, par exemple, qu'est-ce que c'est la mer, donc voilà. Avec les bêtes qu'il y a dedans, des choses comme ça, je pense. Moi, je trouve que c'est des livres très, très intéressants. D'ailleurs, il faudrait qu'on les laisse sortis, ceux-là, et qu'on les range quelque part. Des vignettes qu'on met dans des... Dans la box lumineuse. Oh, ça, je l'ai, je l'avais en horloge. C'est vrai. Mais elle est cassée. Vous allez la voir bientôt. Il y a un dernier truc qui est hyper lourd, j'arrive même pas à le sortir. C'est une boîte. Il y en a plusieurs des boîtes. Posez là. C'est vraiment carrément, moi je sais pas ce qu'il y a dedans. Hein. Pour commencer, il y a un livre Hello Kitty pour faire que des recettes Hello Kitty. Donc c'est. Je crois que tu l'avais eu à ton anniversaire par papy, non? Oui. T'étais petite, hein. Je fêtais mes 5 ans. 5, ouais, 5 ans, il me semble. Et ça fait il y a longtemps, ça fait il y a 5 ans. Ouais, c'était il y a 4 ans. Pour que je prenne des commandes dedans, en fait. J'ai des commandes dedans. J'adorais faire ça, la cuisinière. Et après, je rapportais en faisant semblant. Donc voilà pour ce livre. Ensuite, il y a un livre de slime qu'on avait fait, un slime violet. C'est celui-là qu'on avait fait. C'est vrai. On passe au deuxième bac. Là il y a un peu moins de choses mais c'est du bazar. Donc là il y a encore du bazar avec un sac de Jennifer. Donc voilà, je vais vous montrer un peu. Là c'est toutes mes bandes bon, donc avec un truc comme ça. Un petit truc pour mettre ce qu'on veut. Une trousse de toilette ça s'appelle. Voilà, une trousse que mamie m'a donnée, donc je crois que c'était à toi. Donc j'ai mis tous mes Hatchimals, tous mes Toozies, voilà. Donc voilà tout ce que j'ai, un Toozies, un Hatchimals. T'en as beaucoup, hein? Ouais, j'en ai beaucoup. Je crois que j'ai presque toute la collection.
Ensuite, il y a les bracelets là, troll, que j'adore. Maëlle et Maëlle me les piquent. Il y a mon ancien DS, mais qui ne marche plus. J'ai ça, donc dedans, je sais même pas ce que t'as mis. Ah oui, tout ça. Alors, c'est quoi déjà? C'est les trucs pour là-bas. C'est pour les boîtes à messages, donc ça va être tous les petits. Voilà, les petites lettres, il va y avoir des petits dessins, il va y avoir un peu de tout. Voilà, des dessins. Ensuite, une tasse. Ah oui. Troisième bac. Donc là, je pense que ça va aller assez vite parce qu'il n'y a pas trop de choses. Ok, une trousse vide parce que j'ai enlevé tout ce qu'il y avait dedans. Donc il y a un truc comme ça qu'il y avait dedans. Il y avait les Smashers que j'adore. Il y en a un. Non. Voilà. Il y a des trucs comme ça. Sinon, il y a tous mes trucs de surprise. Il y a... Donc là, j'ai toutes mes boîtes de LOL. Maman va vous montrer. Toutes voilà. Toutes mes boîtes de LOL. Là, sinon, il y a toutes mes poupées, tous mes accessoires. Il y a tout ce qui est... Bah, en fait, c'est la boîte à LOL ici. Hein. Voilà. Sauf qu'il y a un petit imprévu. Il y a un Latchimals gros que papa m'a acheté à Sion. Donc, voilà. C'est... En fait, je les ai eu en plus petit, mais là, c'est un gros. C'est les jumelles. Ensuite, on passe à l'étage de dessus. Donc, j'ai mes trois. Comment ça s'appelle ? Boule à neige, voilà. Donc, j'ai une exotique. Donc, celle-ci, c'est avec une ananas. Ouais. Ananas. Ouais, lui, il a dit ananas. J'ai avec une licorne. Donc, il y a des petites licornes qui se baladent dedans. Comme. Elle est très très jolie, celle-ci. Ouais. Je l'avais eu à Claire's. Ouais, Claire's. Et celle-là. Action. Et la boule. Comme ça. Donc, c'est une licorne que j'ai eu à Action. Sinon, il y avait des lamas. Mais moi, j'ai préféré une licorne. Ah, bah oui. Il y avait soit entre une licorne rose ou soit la blanche. Moi, j'ai pris une blanche parce que je préférais la blanche. Et là, il y a ça. Donc, c'est les images que je vous ai montrées là dans ce vlog. Premier bac. Donc, là, j'ai mis la licorne qui est écrite Magic. Une licorne qui est. Je vous montre un peu de plus près. Voilà. Franchement, c'est trop joli. Bon, celle-là va y assez. Donc j'ai ça que j'avais eu dans une vidéo, je crois, je ne sais plus. Oui, ça devait être dans une vidéo swap, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Ouais, donc ça change comme ça, mais moi je préfère quand c'est en doré. Parce qu'il y a des yeux qui sont grands ouverts. Donc voilà, je vais vous montrer. Elle a un grand beauté à l'arrière. J'ai mis des trucs comme ça. Et ensuite, j'ai eu ça que j'ai acheté dans un magasin ou dans un swap. Tu l'avais eu dans un swap. Oui, je crois. Donc, c'est une licorne qui fait mode, je suis en vacances. Salut, je suis Et c'est une licorne lumineuse, voilà. Mais elle ne s'allume pas parce qu'on n'a pas mis de piles, je crois. Faut mettre des piles. Mais bon, ça nous sert pour de la déco. Voilà, c'est mieux pour qu'on se sert de la déco. Et troisième case, deuxième étagère, premier étage. Donc il y a déjà trois Tsum-Tsum, donc celle-là je l'avais dans une vidéo. Box kawaii, il me semble. Oui, avec des choses, donc on avait cru que c'était un vernis dans une vidéo. Ah oui, c'est vrai. Sauf que c'était un surligneur. Ensuite, un Tsum-Tsum que j'ai eu à Jiffy. Ça, je crois que j'ai eu. On l'a eu à Disneyland. Oui, Disneyland, pour un souvenir, donc c'est Marie. Ensuite, j'ai une licorne que je ne sais plus où j'ai eu. Ah, Jiffy. Oui, Jiffy. Celle-là, Jiffy, je crois. Maintenant, c'était un swap et l'autre, c'était un swap aussi. Ouais, celle-là, c'était un swap aussi. Et derrière, la licorne. Oui, celle-ci, je l'adore. Moi, je l'aime pas, mais ça va. Ça passe. Bah, c'est fluffy. Ensuite, on passe à ma case préférée. C'est l'atelier de Roxane. Et en plus, j'aime trop l'atelier de Roxane. Alors là, il y a Loïc et Roxane, Nana, la petite Louane, le petit Mathis et un cupcake. Et je vous montre un peu comme ça aussi. Et dedans, ils ont mis des articles, des BD et l'agenda que j'ai à la fin. Voilà pour ceci. Donc, dans la cage, j'ai mis une pop fluffy. Une bougie que j'avais eu dans un soir et le set comme ça de la télé Roxane qui est sorti pour Noël, je crois. Voilà, c'est le coffret que tu as eu à Noël. Donc il y a les deux emporte-pièces,
Il y a une spatule et un tourniquet, moi je dis. Un tourniquet, un fouet. Ouais, un fouet. Et le deuxième journal comme ça, et je sais plus où il est, le gros là. Il est en haut. Je vais vous montrer tout de suite la case d'en haut. Ensuite, il y a une bougie de Monsieur Wonderful. On fait des gros bisous à Monsieur Wonderful pour nous avoir envoyé ce colis. Donc, il y a encore des choses sur mon bureau. Ouais, voilà, qu'on vous montre après. Donc, je vous montre la bougie. Elle est vraiment trop, trop belle. Et elle sent divinement bon. Ouais. Ensuite, une bougie, je sais plus où on l'a acheté. C'est une glace. Je crois qu'on l'a acheté à Stokomanie. Oui, il me semble, on l'avait pas payé cher. Donc, une petite glace lumineuse. Et ensuite, on a une tasse de clair que j'avais donc en forme de donut. Swap. Voilà. Et le premier livre de Dear Star de YouTube. Donc, c'est le livre de recettes de l'atelier de Roxane, le tout premier qu'elle a sorti. Donc, il y a une tasse qu'on avait eu chez Primark. Oui, et je sais plus comment elle s'appelle. Zip. Oui, Zip. Ensuite, il y a un petit zip comme ça sur. Voilà, donc là, c'est la version film. Oui. Avec la maman, Madame Samova. Voilà. Et Big Ben. Voilà. Et le livre. Le livre qui va avec sur le film. Voilà. Ensuite c'est le dessin animé. Donc il y a lumière. Zip comme ça. On a mis des socles dedans. Il y a Big Ben. En Mystery Mini. Voilà. Ben en Mystery Mini aussi. Hein. Voilà, j'aimerais trop en revoir les Mystery Mini. Ensuite, il y a Belle en comme ça, en pop, et la bête, qui est vraiment très très lourde, qui tient un oiseau. Il est en carré. Et bien sûr, au fond, il y a le livre du dessin animé. Voilà. Ma case préférée, Harry Potter. Donc voilà mon quoi, pop Harry Potter, donc il y a tous les personnages presque. Donc il y a Ron, Harry, Ginny, Dobby, Minerva McGonagall, Professeur Dumbledore, Sirius. Il y a aussi les Barbie. Voilà. Et les pop que j'ai eu avec Kiara. Ça, c'est pas des pop, c'est des vinyles. Voilà, c'est encore vinyle une autre chose. De Kiara Toys. Donc, si tu passes par là, Kiara, on te fait de gros, gros, gros bisous. Mouah. Dans la prochaine case, vous pouvez apercevoir des gels pour les mains. Ben, Disney. Donc je remercie vraiment, vraiment, vraiment du fond du cœur. Merci Andy pour m'avoir envoyé les gels. Ça faisait longtemps que tu les voulais, Solin. Et très très longtemps. Je les ai eu pour mon anniversaire dans le swap. Et tu les as toujours pas utilisés parce que... J'ai pas envie. Un peu Daisy. Un tout petit peu comme ça. Mini goutte. Parce que j'ai pas envie de les utiliser pour les garder. Ensuite derrière, donc je vais les enlever, ça que j'avais dans un swap de 3. Ça devait être le swap kawaii qu'on avait dû faire le tout premier. Swap. Non, ça devait être le tout premier swap qu'on avait fait. Ah oui, le tout premier. Ensuite, il y a un card qu'on a eu à Jiffy. C'est écrit Maybe. Maybe I am a unicorn. Et unicorn, qui est trop trop belle. J'aime beaucoup, toi, les petites boissons comme ça. Ouais, comme ça. Et ensuite, on va passer à l'étage là. Donc, en fait, vu que je suis trop petite, maman va vous filmer là-haut. Alors, déjà, il y a une petite maison avec va servir avec des sous. Il y a 3-4, donc un petit, un moyen et un grand. Une autre maison avec une bougie qu'on avait eu à la Maison du Monde. Voilà, Maison du Monde et un ananas. Je vais vous la montrer de plus près parce que c'est une bougie trop mignonne. Voilà. C'est une petite bougie licorne, tout en paillettes. Trop, trop jolie. Le papier peint, il est trop, trop beau. Alors attendez, je vous montre de loin ce que ça donne. Le papier peint. Voilà. Donc c'est comme ça, il est trop trop beau. Je trouve que ça rend trop trop bien. Donc il y a le écrit Smile. Smile. Voilà. Ma télé, donc voilà. Elle n'a toujours pas changé. Un petit cadre avec un attrape rêve. Rêve. Oui, rêve. Et mon petit Poupsy. Cutie cutie.
En bas, il y a ma Play avec mon... Bah, toujours la même PlayStation en fait. Voilà, avec ma Play et ma manette. À côté, il y a tous mes trucs Disney. Donc, il y a mes jeux comme ça. Donc, voilà. Il y a tous mes DVD. Et j'ai un jeu de Switch Harry Potter. Ensuite, il y a tous mes Mystery Mini. Et je sais plus comment ça s'appelle. C'est les... Bah, c'est pas Mystery Mini, mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc les Mystery Mini, on les a eu à Micromania, ainsi que ces petites figurines. Et ça aussi, donc ça c'est des Mystery Mini Ralph. C'est trop bien. En dessous, on a tous mes DVD, donc voilà, qui n'est pas Disney. Donc on en a des Harry Potter, des Schtroumpfs, voilà, tout plein de trucs comme ça. Et on retrouve Gasper. Et à côté, il y a un bac que je vais vous montrer ce qu'il y a dedans. Il n'y a que des DVD. Donc, j'en ai pas beaucoup, mais juste parce que j'en avais pas ici. Et il y a un socle. Je sais pas pourquoi. Voilà. Maintenant, on va passer à mon lit. Donc voilà, je vous présente mon lit. Il est trop trop beau. Et je l'adore. Alors, ça, donc on peut le réverser, mais voilà. Donc, La couette est réversible, c'est voilà. Ça. On peut soit le mettre du côté où il n'y a que des Mickey ou un côté comme ça. Moi, j'ai préféré celui-là. Alors, attendez, je vais vous montrer. Voilà. Avec un effet marbré, du doré, du gris, du rose. Exactement les couleurs de la chambre de Luna. Et on a mis un nouveau truc comme ça de Primark. Voilà, un nouveau drap. Bon, bah, ta grosse licorne. Voilà, que j'adore, que je dors sans elle. Alors, j'ai mon lit. Donc, voilà, il est très très joli. Donc là... On l'avait où, le lit? C'est discount. Voilà, c'est discount pour ton anniversaire. Oui. Ensuite, j'ai ma poupée de tabalet que j'ai eue depuis longtemps. Elle est trop trop belle. J'ai une couronne que j'ai eue depuis très longtemps aussi. On l'a vue chez Verbaudet, il me semble. Oh, ça fait longtemps. Ouais, ça fait super longtemps. En plus, Verbaudet, j'ai pas l'habitude d'acheter trop de choses là-bas. C'est vrai. Je crois que j'ai pris que ça avec deux autres oreillers. Et un coussin de notes. Que je t'avais offert, je crois, dans un swap kawaii. Oui, dans le premier. Oui, c'est vrai. Et mes trois autres cas. Donc, il y a un tout, tout, tout petit. Un comme ça. Alors, il est comme ceci. Il est blanc. Là encore, c'est blanc. Donc, il y a écrit Sun, Sun, Sarah, je sais. Sun, Sensi. Voilà. Et un comme ceci que j'aime trop la photo. Et bien sûr, il y a mes rideaux de chez Jiffy et ma fenêtre qui donne sur le jardin. Voilà. Donc, j'ai reçu de Moonilab gratuitement pour mon anniversaire. C'est un petit album photo, donc je vais vous le présenter. Donc, on choisit les photos qu'on veut. Donc, maman a choisi les photos. Voilà. Ah, voilà. Franchement, les photos, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très très jolies. Moi aussi. Super belles. Et puis ça te fait un petit livret souvenir comme ça. Mmh. Donc franchement, bah, on vous remercie beaucoup, Moonilab. Merci. Donc voilà, là, bah, comment il est au dos et puis devant. Et très très joli. Écrit Moonilab. Moonilab, voilà. Donc merci beaucoup, Moonilab. Plein de gros bisous. Ensuite, j'ai mon tapis par terre. Donc voilà, il n'a pas changé. Je vais m'asseoir pour vous montrer ma petite commode. Donc on m'a acheté une nouvelle parce qu'avant j'en avais pas et j'en avais très très longtemps. Très très longtemps. Donc je vous montre la commode. Voilà, donc on l'a eu à Conforama. Conforama, voilà. Donc là il y a donc elle est toute blanche. Hein. Donc là il y a ma photo de classe de l'année dernière, je crois. Oui, c'est ça. Tous les années ils changent les fonds. Ma lampe, donc il s'allume. Hein. Voilà. Mon réveil, qui est trop beau. Donc on l'a eu au monde là. Maison du monde. Voilà, maison du monde. Et un parfum. Que tata a donné pour mon anniversaire. T'as offert à ton anniversaire, voilà. Non, attends un peu. Ils sont vraiment très très beaux. Alors on va regarder dans le premier tiroir. Alors, j'ai ça, donc c'est un cahier où il y a un carnet secret et j'ai caché une clé quelque part dans cette chambre. Il y a des écouteurs comme ceci. Donc ils sont un peu mêlés, mais je vais les démêler tout à l'heure. Voilà.
Et ensuite, ah, je sais pas si j'arrive. Voilà. On va pas vous les montrer par contre. Parce que en fait, on va faire une vidéo sur mes coques. Voilà. Donc voilà, je vous montre comme ça. Voilà. Donc c'est dans une boîte de Claire's. Et j'ai vraiment trop de coques. Que ça déborde. C'est vrai. Tout. Voilà. Et on va aller tout en bas. Juste là. Et une boîte comme ça, secret, où j'ai rien mis. Mais voilà, j'aime trop. C'est une boîte comme ça où on aurait dit qu'on va le laisser. On voit pas. C'est bizarre. Et on l'avait eu dans une vidéo Jiffy, j'achète tout en rose. Oui, mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que là, en fait, si on assemble ces deux-là, ça fait un carré. Et si on assemble comme ça, tchum, ça fait un truc. Et voilà dedans. La boîte est très jolie. Oui, elle est très grande et très jolie. Ensuite, j'ai deux boîtes de Prima. Donc j'en ai une où elle est remplie. Donc j'ai mis. Livre Astérix pour les 60 ans d'Astérix ou les 30 ans, je sais plus. Les 60 ans de Astérix et c'était les 30 ans du parc. Voilà, ouais. C'est pour ça que tu te trompes. Et j'ai encore quelques cartes à coller donc j'en ai 5. Et sinon, j'en ai pas mal. Voilà. Pour la première boîte et dans la deuxième boîte, c'est la même, mais il n'y a rien dedans. Et c'est pareil que mon lit. Voilà, on les a eu également chez Primark. Et j'ai même une coque pareille. Parce qu'on les trouvait trop belles et exactement dans les mêmes couleurs que ta chambre. Ensuite, on passe au bureau. Donc déjà, j'ai ma belle chaise de chez Maison du Monde avec un coussin de Verbaudet. Voilà, Verbaudet. Et on a pris la même couleur, la chaise, que le lit en fait. Oui, que le lit. Et enfin, il y a le meilleur. Donc ensuite j'ai une lampe de chez Ikea, donc elle est très jolie. Un mug de chez Amazon. On va le montrer un petit peu plus près, voilà. Dedans deux petites fioles et trois rouleaux de scotch. Alors j'ai un cadre de ma photo de classe de cette année, voilà. J'ai un mug de C'est mon étiquette, donc il y a écrit Luna et plein de licorne, de donc c'est un mug personnalisé hein. Oui, avec des crayons, donc il y a Astérix, Obélix, voilà. Il y a un stylo licorne, voilà, des stylos, un ciseau et des trucs comme ça. Ensuite j'ai un autre mug de chez Jiffy écrit unicorn avec que des feutres et une paille. Ensuite j'ai un autre pot avec donc le pot vient de chez Ikea rose, donc il est, et il y a des serre-têtes, des brosses, voilà, des trucs comme ça. Ensuite j'ai ça de chez Claire's où dedans j'ai mis, non, je vais l'ouvrir, tous mes vernis, donc il y a aussi un petit gel, voilà, je vais le mettre là, et il y a tout plein de vernis, et bien sûr il y a des vernis enfants, presque que des vernis enfants. Et voilà, et des vernis ça. Que je t'ai donné. Il y a toutes les choses, tout le reste qu'on a eu de chez Monsieur Wonderful. Alors, il y a eu un calendrier, donc voilà, comme ça. Donc là, c'est un mémo, alors montre. Donc voilà, c'est un mémo, un calendrier de la semaine en fait. Là, tu peux mettre toutes tes courses, ou là, ici, là, il y a des autres. Il y a des trucs là, ici aussi. Et là, tu peux mettre, cette semaine, j'ai été. En colère, j'étais triste. Allez, t'as les petits stickers qui vont avec, c'est ça? Oui, là, et du coup, voilà. Moi, j'ai déjà fait des trucs parce que je fais l'école, en fait. J'aime bien. Donc, il y a quatre... planches de stickers, voilà. C'est ça. Ensuite, il y a une QSB, donc voilà. Elle tourne comme ça. Je sais plus c'est combien de gigas, mais je crois qu'il y a 32 gigas, il me semble. Et vous voyez, elle est vraiment trop... trop belle. Trop kawaii. Donc trop, là, en fait, c'est là où ça s'ouvre. C'est au milieu. Voilà. You rock. Et il y a le truc rock. Il y a aussi un équerre. Un éclair. Je confonds avec l'équerre. L'autre. Il y a une coque de téléphone pour maman. Donc là, voilà. Il y a écrit love you yourself. Mais franchement, elle est trop jolie. Avec un cœur et écrit maquillage. Et là, voilà. Elle est comme ça. Elle est souple. Et la couleur est canon. Je sais pas si vous voyez, il y a aussi des petits points dessus. Ah ouais, voilà. Il y a des petits points pailletés.
Et il y a aussi une batterie externe, donc pour moi, ça sera. Voilà, donc c'est une batterie externe pour Luna quand elle doit recharger son téléphone. Donc bien sûr, il faut la recharger aussi. Oui, voilà, donc on a un petit câble, il faut juste que je retrouve où je l'ai mis. Et écrit « Is powerful ». I'm powerful. Voilà, je sais plus parler. Et bien sûr, il y a l'horloge. Donc il y a 12, 1, 2, 3, 4, 6. Voilà, l'horloge qu'on avait eue dans une vidéo Jiffy, voilà. Donc, si ma chambre vous plaît, n'hésitez pas à mettre des likes. Et le meilleur pour la fin, ma nouvelle lampe. Donc on a pris à Jiffy, donc dans une vidéo. Et voilà ce que ça donne. Elle est accrochée et je la touche. Voilà, elle est belle, hein. Ouais, elle est trop belle. Et du coup, regardez, au plafond, ça fait les reflets de la lampe. Trop beau. J'adore ma chambre! Et donc voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, des commentaires et à partager. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos. Et voilà. Et à vous abonner. Ciao, ciao. Bisous, bisous pour de prochaines aventures. Ciao, ciao.